ça fait partie des nouvelles maladies chroniques. Et les gens s'inquiètent, puis à juste titre, je pense qu'il y a un constat et une acceptation de toute la communauté scientifique comme quoi les fonctions de reproduction diminuent. Souvent, les problèmes d'infertilité commencent durant le développement fœtal. Quand quelqu'un dit, bon, écoutez, moi j'ai un problème d'infertilité, ben, on peut regarder les polluants qui sont présents dans la graisse ou dans le sang, mais la réalité, ça ne donne pas un portrait de ce qui s'est passé quand cette personne-là était en train de développer chez sa mère. On a remédié un peu au problème avec la fécondation in vitro. Donc, je pense pas que ça va devenir une crise au point où on ne pourra pas avoir de fécondation parce que maintenant, on peut bypasser ça. Et on sera une maman comblée et heureuse. C'est supposé me dire combien d'ovules il me reste, no stress. Moi, je me définis comme une personne child-free, donc sans enfant par choix.